Salam alaikum, cher. Question d'une sœur. J'aimerais connaître le jugement concernant la mixité familiale. Barakallahu fekoum. Tfadal, cher. Tu n'as pas le micro, Mousseline. Tu n'as pas le micro. J'ai lu la question, vous n'avez pas entendu? D'accord. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. J'aimerais connaître le jugement concernant la mixité familiale. Barakallahu fekoum. La mixité familiale, comme a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a dit c'est permis. C'est permis de manger en famille. L'âme, il a dit si c'est mixte, à condition que quoi? Qu'il y ait un mahram. Vous avez compris? Il y a deux conditions. La première, la femme a un mahram avec elle, son mari, son frère, son fils. La deuxième, les hommes avec lesquels elle s'est mélangée, ses cousins ou je ne sais pas qui, ils ne sont pas sujets à suspicion, ils ne sont pas sujets à doute. Ils sont des gens sérieux, chacun s'assoit, mange, parle sans arrière-pensée, et ça s'arrête là. Comme ça a dit Cheikh Ben Baz, rahimallah, et il y a sa fatwa, et peut-être je l'ai même ici, inshallah ta'ala. Une seconde, je vais vous la chercher.